sommes soldats du ciel, l'armée de l'éternel. Notre mission est claire, faire tomber Jéricho. Allons détruire les murs qui nous barrent le chemin. Marchons ensemble vers Jéricho. Je suis
même les voyant si tant Jésus. Passer sans faire déjà, des chances m'a demandé au souple Jésus. Des chances pour moi connecter à tout. Oh, Jésus, Radio Respiration FM. Et le collège aussi rappelle que la Caisse populaire de Télan est son sponsor officiel. L'école du dimanche. Quant à la connaissance de tous les moniteurs, de toutes les monitrices et de tous les étudiants, de toutes les étudiantes et de chaque fidèle de l'église qui organise une journée d'évangélisation ce jeudi 19 juin à 7h30 à 2h de l'après-midi. Cette journée d'évangélisation commencera à 7h30 par une séance de prière à l'auditorium de l'église, suivie de la formation des équipes et la sortie à 9h. Ceci est de la directrice de l'école du dimanche. Le centre d'assistance sociale de la première église baptiste de Port-au-Prince et le groupe Bon Samaritain salue l'église entière et remercie tous les fidèles et les invite à continuer à participer à cette grande œuvre d'assistance pour aider les nécessités non seulement de l'Église, mais aussi des centres et d'asile. Salutations fraternelles en Jésus-Christ, les dirigeants de ces deux associations, de ces deux groupes. Si vous avez ce matin un problème de santé, nous profitons de cette occasion pour saluer les professionnels de l'Église et les professionnels de la santé. En particulier, puisque vous avez une urgence ce matin dans ce culte, c'est le docteur Marc Aderville qui assure l'urgence. Il est au 47 56 66 60 19. Laissez-moi vous donner cette annonce de décès. Nous annonçons avec infiniment de peine la mort du frère Lucien Édouard, survenu à
Bon, merci. Le 10 juin 2014, à l'âge de 77 ans. Les funérailles du frère Lucien Édouard ont lié la première église baptiste de Port-au-Prince le jeudi 19 juin 2014 à 8h du matin. Le cadavre sera disposé de se faire. Le défunt était membre de l'église et fréquentait la congrégation de Faubourg-Saint-Jean. Ce sont là mes frères et mes soeurs qui tristes les annonces provisoires de l'église. Et jusqu'au complété, nous demandons au frère Maxime Antoine de bien vouloir rencontrer sur la cour de l'église M. Rony Gilles. Il est probablement le secrétariat de l'église et aussi la congrégation de Faubourg Salomon, la jeunesse, qui célèbre son 56e anniversaire à travers une conférence qui commence demain avec votre serviteur sur la jeunesse chrétienne face à l'écuménisme. Et mercredi prochain, M. Patrick Laurent, la jeunesse et la politique, et vendredi 20, pasteur Henri Jean-Pierre, la jeunesse chrétienne face au signe des Illuminatis. Et le 56e à Faubourg. À la jeunesse de Faubourg Salomon. Comme je vous dis, ce sont là les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce, il ne peut pas attendre, c'est que Jésus vient là. Et comme tel, nous devons travailler pour dire ensemble, Maranatha, Christ revient, car Christ en nous l'espérance de la gloire. Avant d'écouter la prédication du jour qui sera présentée par le pasteur Karel Célestin, je vous invite, frères et sœurs dans la foi, à chanter les versets du cantique. Le ciel était voilé, la route était obscure, voyageur désolé, j'irai à l'aventure, chaque arbre du chemin était une menace, et je cherchais en vain la porte de la grâce. Et je vis sur le seuil, debout dans la lumière, Jésus, quel doux accueil il fit à ma misère. Je t'attendais, pourquoi dit-il, pauvre, à ma place, viens-tu si tard, c'est moi qui suis la grâce. Quand il inscrit au numéro 306 de notre recueil de chants d'espérance, il servait française, sur les ailes de la France 504, par le petit populaire 286. Et si vous avez le recueil de Brice Mireille, c'est le numéro 60. Je vous invite à vous lever pour chanter allègrement les quatre versets de ce cantique. Ah!